mobilisation, de résistance pour une Haïti stable et démocratique. Donc, on te dit, dans la dernière conférence, nous avons gagné pour nous capables non seulement analyser la question du gouvernement de Gary Conien, mais tout prononcer nous sur le gouvernement. Et c'est ça que nous venons faire là matin. Pour nous capables de connaître qui position nous et qui route nous prend dans les jours à venir par rapport à gouvernement oisif qui est installé dans notre pays. D'abord, qui t'aime dire nous te prenons temps. Nous prenons temps qu'il faut. Nous prenons temps nécessaire avant de nous prononcer. Premièrement, ça n'a pas dénoncé. N'a pas dénoncé l'inélégance de Dr. Gary Conien. Deuxièmement, n'a pas dénoncé comportement de M. Conien par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse. Troisièmement, nous dit gouvernement ça qui vient là, c'est un gouvernement qui vient pour pénaliser, pour faire toute action que nous ne pouvons pas imaginer pour Jovenel Moïse, pas jouer justice. Pour qui ça? Parce que M. Gary Conien montre nous à clair, il n'est pas un homme d'État. Nous entendons un paquet de oisifs politiques, des pacotis politiques, des mendiants politiques qui peut-être sont passés pour militants, des petits mercenaires politiques. Tant qu'on est cap marché, dit pas aimé, pas aimé. Tant qu'on est ingénieur Lugondé dans Pétionville, qui prend l'argent trésor public injecté dans main pour marcher dans une série de bases pour dire Gary Conien, pour dire Gary Conien, c'est si Gary Conien, c'est là. Moi-même, je prends le temps qu'il faut parce que je ne suis pas militant qui prend un bout, qui cherche à manger. Je suis militant qui garde les faits, qui analyse les faits et qui prononce au moment opportun. D'abord, premier ministre Gary Conien montre qu'il n'est pas élégant. Comment? Ou pas qu'il dit dim ou son homme d'État. D'abord, il fait preuve tout, il n'est pas un homme d'État. Oui, ils sont intellectuels, oui, ils sont professionnels de médecin, mais il n'est pas une dimension d'homme d'État. Il n'est pas une dimension père de famille. Il n'est pas une dimension, tant que je vais prendre comme exemple, malgré des accords Jovenel Moïse a gagné avec Jean-Bertrand Aristide, il apprend Jean-Bertrand Aristide dans la difficulté, Jean-Bertrand Aristide a un passeport humanitaire pour l'alcaïde docteur, automatiquement, Jovenel Moïse comme homme d'État, lui mettait une différence ou bien une désaccord avec Aristide là, de côté, lui dit faut sauver le président. Son président, soit ses présidents. Comment nous-mêmes la presse qui l'a, comme moun intelligent, comme moun savé, comme moun qui capable d'analyser fait, ou bon on est capable d'une premier ministre? Hein? N'a débarqué en Haïti. Monsieur, un président assassiné, Gary Conien pas jamais fait sortir un note de sympathie alors qu'on ancien premier ministre. On est qui est ancien premier ministre? L'étendue dans quelles conditions il a assassiné le président dans la chambre la Kaili, il n'a pas fait une note de sympathie à la famille, à pays. Ça c'est une. Mais pour nous, ça n'est pas grave parce que il te dit, dans diverses rencontres qu'il fait aux États-Unis, il dit qu'il n'a jamais rentré. A fait l'État, il sait, on compatriote te poser une question en ce sens. PM, si vous avez l'eau, comme je dis au premier ministre, si vous avez l'eau en Haïti, pour ta vin bay l'état ils sont coupe mais encore peuple haïtien ta mando pour bay bien coupe il doit m'a répondre sans équivoque moi pas jamais là pour l'état haïtien pas jamais servir l'état haïtien pas jamais travailler dans l'état haïtien l'état haïtien pas besoin jamais côté sur moi c'est slogan c'est discours mais là vinn vini comme premier ministre au moins fais une preuve même l'hypocrisie même laisser ta bodou même laisser ta nan moun que tu fais partie bod qui t'a planifié l'assassinat de Jovenel Moïse, souvine la pas élégance. Faut t'a montré pays a qu'on son homme d'État. D'abord, nous tous qu'a constaté premier ministre, il vient mettre en confiance les assassins de Jovenel Moïse parce que
premier ministre, ni dans l'introduction, pour dire que c'est le premier ministre pays, il fait discours, il ne parle pas de Jovenel Moïse comme un président assassiné. Il installé, il fait discours d'installation qui gagne, ça veut dire, quatre programmes, ni, dans quatre programmes, premier ministre, et ça veut dire, dans quatre programmes, nous souhaitons, nous voulons que tout le monde connaisse que nous-mêmes, en tant que premier ministre qui vient là, nous avons fait ça capable pour renforcer la justice parce que nous souhaitons, nous voulons à ce que lumière faite sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Le premier ministre a fait tout ça, le fait net. C'est comme si le pays n'a pas de bon président, il a assassiné. Alors que la base fondamentale dans la crise qu'il a, il vient amplifier par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse. Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons passé Matisse, pas vrai? Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons passé Canara, pas vrai? Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, pas de cafou fait. Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, le pays a pas réduit en chaos total. C'est la provocation, c'est l'absence totale de Jovenel Moïse, vu son programme, l'État, pas de l'État. Eh bien, je dis à nous que ça comme résultat. Mais nous voulons comprendre pour qui ça? Nous voulons dire nous pour qui ça? Comportement. Docteur Gary Conny. Docteur Gary Conny, c'est un personnage que apprécié parce que n'a supporté bataille diaspora, nous pas comment pour une diaspora ta venir là non poste et puis pour nous-mêmes nous t'a dit n'a calonier, n'a combattre diaspora. Non, loin de ça. Un, ça nous voulait pays à retenir pour nous dans question Gary Conny. Un, Gary Conny pas gagné qui attaché la pays. De Dr. Gary Conny, qui est mon appelage là, il n'est pas là comme un premier ministre haïtien, mais c'est un gouverneur. Mais ce qui est plus grave là, c'est qui est-ce qui bosse Gary Conny. N'est-ce qui bosse Gary Conny, il y a les Clinton, Clinton, Bill Clinton, Kleb là. D'ailleurs, là pour présenter Gary Conny, où est madame ça qui est là, Clinton, non, mais Gary Conny dans le temps qu'on s'y et puis il est devant lui présenter. Petit ou bien esclave. Monsieur Gary Conny, tu es administrateur d'un projet qui te relève, c'est RH. Projet ça, qui est-ce qui t'a téléguidé, qui t'a mené, c'était Clinton. En Clinton, mettait avec l'équipe, il a détourné près de 11 milliards de gouttes de dollars. L'argent, c'est RH. Ça, vous venez faire là, vous venez mettre Clinton, vous venez mettre le docteur Conny pour capable effacer parce que trace, parce que grand pile monde qui a demandé pour une enquête qui menait sous question 11 milliards de dollars. Ça. Mais ce n'est pas le problème, là, toujours. Le problème, nous allons montrer nous, c'est haine docteur Gary Conny exprimé à l'encontre de Jovenel Moïse malgré l'assassinat, malgré sa mort, malgré le va exister, docteur a témoigné. Hein, il dit s'il part dans la mort, ben te connaît. Vous comprenez ça? Président Jovenel Moïse, sous trois feuilles papier, Jocelyn Privé, Baye, équipe Clinton, non, Douane, APN, EPOP, ils ont ensemble de côté pour te ramasser l'argent. Comme ça, tu as totalisé le montant de 5 milliards 800 millions de dollars américains. Jocelyn Privé, te baye, Bob Clinton, non. Jovenel Moïse monte comme président de la République, il coupe au droit. Il dit n'est pas normal, il n'est pas sérieux pour l'équipe Bob Clinton, ça, aux États-Unis, qui a accès pour ramasser dans le pays 5 milliards 800 millions de dollars. Jovenel Coupel. Et depuis le Jovenel Coupel, Bob Clinton, qui est dans Biden, mette fait mise en place, il faut que tu assassines Jovenel Moïse. Et de fait, tu assassines Jovenel Moïse. Comme je dis, c'est Bob Clinton qui choisit Gary Conny pour mettre le premier ministre. Et bien, docteur Conny montré, hein, ça a bien comme Jovenel Moïse. Et c'est pour ça, il n'a pas dit dans le discours, il n'a pas baissé tête dans la mission, dans la loi 4, dans la mission, dans le programme gouvernement. Il voulait faire tout le monde qui a bataillé pour Jovenel Moïse, peut, pour ne pas parler de l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous-mêmes, nous disons, 3 ans qu'il a dit là, c'est 3 ans, commémoration assassinat de Jovenel Moïse. Et nous continuons à gommer et nous lançons un vibrant appel à toute organisation, tout le monde qui est habitué à participer dans la commémoration ça, pour nous rassembler, pour nous dire, docteur Gary Conny, que Jovenel Moïse n'est pas un wassif. Deuxième
même bagaille pour finir. Ou ta oué premier ministre, sou di wap chercher solution, wap combattre corruption. Ou vini pour combattre la corruption. Pourtant, conseil créé qui est 7 moun nan, gen 4 moun la donne qui est équipé par la justice haïtienne. Hein? 4 moun qui est équipé par la justice haïtienne, nous bay document toute preuve malgré ça. Yo cohabite ensemble. Ça veut dire que Gariko n'est pas venu gourmer contre la corruption. Dernier point, c'est pour nous dire, demander à la police nationale. Dans le programme, dans le plan d'opération qu'elle gagne, il faut reviser le plan d'opération. Pourquoi on dit ça? Nous ne sommes pas d'accord. Pour la police, il y a deux mounes. L'armée, il y a deux mounes qui demandent l'État. Moyen, un, pour être capable de faire. Participer dans l'opération contre insécurité, contre bandits, n'est-ce pas plutôt pour être capable de marcher craser Kai. Voilà, tout pays, ça, moun sa ou, tenant Kai sa ou. C'est courir pour bandits. Bandits ont mis dehors de force. Pendant qu'il y a tenu l'État, qui pour venir remettre en confiance, qui pour permettre de tourner la caillou, et puis constater, caillou pas pour bandits, caillou craser pas pour bandits, oui. Caillou craser, c'est des mères de famille, des pères de famille. Que l'État est armé, un groupe gang, un ensemble de voyous, qui prend toute zone ça en otage, vous mettez moun yo dehors. Aujourd'hui, si l'État finit avec un plan, il faut que l'État calcule l'autre moyen. Parce que l'armée qui a fait filature, l'armée prend formation pour faire filature, pour faire pénétration. Vous comprenez la police qui a fait encerclement dans le plan. La police là, pour faire encerclement, parce qu'elle ne doit pas avoir capacité pour mener ça ou les batailles guerrières urbaines. Mais est-ce que ça t'a dit chaque côté de la police pour débarquer, il est obligé de casser tout le caille sans nous pas contre côté. Il pour aller reloger moun sa yo sans pas un plan de construction maison, de projet logement social. Nous pensons, nous même matin nous devons faire un dénoncer comportement docteur Gary Koné qui vient pénaliser, qui vient renforcer l'ensemble criminel Jovenel Moïse. Parce que c'est tout le monde qui était soi-disant avec Jovenel Moïse qui a fait alliance avant Dieu et puis qui a fermé l'État pour Jovenel Moïse. Deuxièmement, c'est le mode opératoire que la police a mené. Oui, il faut que nous bataillons contre Bandio. Il y a des gens qui l'ont cagoumé contre Bandio. Mettez cob 14 000 $ et après, ils ont gagné. Même le pas de policiers, l'armée, 14 000 $. Mais bayon prix, bayon salaire raisonnable qui permet de confiance de travailler sur le plan pour établir la paix. Et deuxième point, dernier point, c'est tout militant, tout le monde qui a mobilisé pour permettre commémoration 7 juillet à réel, eh bien, on nous tous mettre main de façon pour nous dire non seulement à Gary Koné, conseil qui est là, et l'équipe Clinton qui met ensemble, qui tue Jovenel, pour nous faire reconnaître et nous pas faire bas. Merci. Vous parlez de 4 personnes qui sont inculpées dans le conseil présidentiel là qui n'a pas le pouvoir de la commune. Qui 4 personnes qui sont inculpées, qui ont une inculpation grave. Ce n'est pas une simple inculpation, ce n'est pas un simple délit, mais qui ont une inculpation très grave qui pendait sous tête et qui devant le juge d'instruction. Parce que nous disons, l'ordre de juge d'instruction n'est pas le coupable, mais il faut mettre à la disposition de la justice pour la justice capable de tendre. Ou gagner fruit de Jean. Il a poursuivi pour vol, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Nous gagnons Gérald Gilles, docteur Gérald Gilles, association de malfaiteurs. Nous gagnons M. Nestlé Voltaire, lui-même. Blanchiment, drogue, c'est ça qu'il a retenu pour lui, dans le cadre d'inculpation, dans le cadre de poursuite pénale qui enclenche contre le cabinet de instruction. Quatrièmement, et je connais ce monsieur Radio ou du moins Edem qui voyait dans le conseil créé là, il est inculpé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ok? Ça veut dire, voilà que le conseil a 7 personnes qui sont capables de décider. Dans 7 personnes qui sont capables de décider, il y a 4 personnes qui devant la justice pour gros inculpation grave et puis je dis à Gary Koné parler nous non ça veut dire ça que là gouvernement peuple a pas commenté gouvernement qui là c'est un gouvernement pas coti un gouvernement oisif d'ailleurs il y a plein de monde qui pas sorti qui pas aucune notoriété politique oui il est capable intellectuel oui il est capable c'est ceci mais en ce qui a trait à notoriété comment nous comprendre trois canèg qui fait partie conseil gouvernement
c'est un paquet que yo sanctionné et puis pour y a parti politique yo yo pas là yo même physiquement mais tout c'est yo des partis politiques qui voient les gens qui montent au gouvernement c'est même monsieur sanctionné oui qui monte gouvernement gaïkonien. OK avait dit jodi a nous même faut payer à connaître pas gagner qu'a sorti dans montagne n'a pas là son fourmi li pral accoucher si maman fourmi pas un mal son montagne qui va la coucher, il fou, mais c'est si montagne-là, pas au mal. Pas gagné concret, pas gagné sérieux, et pour le gouvernement vient là. Il pas nous mettre ça le bras le faire pour le permettre. Il reprend ensemble des projets, Jovenel Moïse Tapéo, dans la question de route, question asphalte, question environnement, question de l'eau, question environnement. Ouais, il pas embrasser le dossier ça. Ça veut dire que c'est de mon seulement vient là pour faire l'argent. Il a fait l'argent. Nous prenons le goût de côté après 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Nous prenons le voler, gagner même gens. Et puis nous prenons le remettre dans l'autre groupe encore pour continuer à faire l'argent. Nous pensons aujourd'hui, mais ces dames, la presse parle qui la presse écrit, les médias en ligne qui la. Les temps aujourd'hui, nous même tout pour nous faire tête, nous passer des actes pour nous questionner ensemble des malfaiteurs qui continuent à payer en otage.